Que sera fait l'avenir d'Ousmane Dembélé? Voici la question à laquelle nous essaierons de répondre dans cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler encore une fois, les amis, qu'il y a un concours qui sera organisé sur cette chaîne pour le 1er janvier 2020. Une somme de 50€ à gagner. Pour être éligible, il suffit juste d'être abonné à la chaîne et vous aurez la chance de participer à ce tirage au sort le 1er janvier 2020. Alors aujourd'hui, on va essayer de savoir de quoi sera fait l'avenir de Ousmane Dembélé. Dembélé qui, depuis le début de la saison, a raté quand même pas mal de matchs. On va essayer de voir quels sont les points positifs et les points négatifs qui détermineront la fin de saison du jeune français. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à préciser les amis que je ne suis pas un dirigeant du Barça. Je suis un fan comme vous tous, donc mon avis n'engage que moi. Je dis ça parce que lors des vidéos précédentes, il y a quelques personnes qui m'ont reproché de militer contre tel ou tel autre joueur. Mais je tiens juste à préciser que moi, je suis un fan du Barça. Exigeant, je ne milite pour personne, je ne milite contre personne. Si demain Rakitic fait une masterclass, je serai le premier à venir le dire ici, et avec plaisir, parce que je supporte d'abord le FC Barcelone, et non un seul joueur. Aujourd'hui, on va parler de Dembélé, ça va être aussi uniquement mon opinion personnelle que je vais donner, et pas une vérité absolue, je ne détiens pas la vérité, je le dis tout le temps, je suis juste un fan, et je ne donne que mon avis. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que vous vous abonnez à la chaîne et que vous aimez mon contenu, parce que je ne donne que mon avis, je ne suis pas la vague générale. Je tenais juste à préciser ceci, on referme la parenthèse et on se concentre sur Ousmane Dembélé. Alors, quels sont les points positifs et les points négatifs qui pourraient pousser à l'optimisme ou à l'inquiétude pour Dembélé? On est parti avec le premier point positif. Au meilleur de sa forme, Ousmane Dembélé est l'un des meilleurs ailiers au monde, ou en tout cas l'un des plus prometteurs. Il a des qualités de dribble, de percussion, d'explosivité qui mettent à mal la plupart des défenses lorsqu'il est dans son meilleur jour. On se rappelle encore de son but incroyable face à Tottenham en Ligue des Champions. C'est vraiment un petit aperçu de ce que Dembélé pourrait apporter à cette équipe lorsqu'il est en pleine forme, lorsqu'il n'est pas blessé et qu'il joue régulièrement. Il a la capacité de manger la ligne, de fatiguer les latéraux adverses, d'être un cauchemar pour les défenses. En plus, Dembélé a la particularité d'être quasiment le seul ailier de formation avec de l'expérience dans l'effectif du Barça actuel, parce que lorsqu'on regarde Messi, Suarez, Griezmann, c'est généralement tous des joueurs qui adorent occuper l'axe, ce sont pas des joueurs de vitesse maintenant, d'explosivité, qui vont longer la ligne. Si on regarde Ansu Fati et Carles Perez, ils sont très jeunes et pas d'expérience pour l'instant. Donc Dembélé est vraiment le seul ailier, on va dire, opérationnel qui a de l'expérience dans l'effectif, donc c'est quelque chose de vraiment positif pour lui et pour toute l'équipe. On passe désormais au deuxième point positif pour Dembélé. En plus d'avoir ce profil d'ailier, Dembélé est apte à jouer sur les deux côtés de l'attaque. Il est capable de jouer sur l'aile gauche comme sur l'aile droite avec plus ou moins le même rendement, même si je pense qu'il est plus à l'aise sur l'aile droite. Mais c'est quand même quelque chose de positif parce qu'il est capable de dépanner à gauche et à droite à n'importe quel moment. Et le fait d'être ambidextre aussi joue en sa faveur parce qu'il est à l'aise avec ses deux pieds. Ça me rappelle un peu d'ailleurs Pedro Rodriguez à l'époque. Mais Dembélé, c'est vraiment encore plus fort au niveau de l'ambidextrie parce qu'il a une capacité d'élimination rapide, des crochets dévastateurs, alors que Pedro avait une intelligence de jeu largement au-dessus de la moyenne. Moi, je pense que Pedro était un joueur plus adapté à la philosophie du Barça parce que c'est un joueur collectif d'abord et avant tout. C'était pas un joueur individuel comme Dembélé qui provoque, qui déstabilise de façon individuelle plus que collectivement. Donc le fait que Dembélé soit aussi ambidextre et imprévisible, ça permet aussi de changer souvent des systèmes. Il permet au coach d'envisager différents systèmes. Je parle bien sûr de coach compétent, je ne parle pas de Valverde. Je pense honnêtement qu'un vrai bon coach aurait réussi à tirer beaucoup plus de Dembélé, de son potentiel, de sa polyvalence. On aurait pu vraiment l'essayer dans différents systèmes pour essayer de déstabiliser certaines défenses plus regroupées que d'autres, par exemple. À mon avis, un nouveau coach, un bon coach, pourrait vraiment tirer beaucoup plus de Ousmane Dembélé à l'avenir. On passe désormais au point négatif concernant Ousmane. On va y aller avec le premier point négatif. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a manqué, tenez-vous bien, un total de 58 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre? C'est quasiment l'équivalent d'une saison entière manquée par Dembélé, c'est beaucoup trop. Je pense que si ça ne lui provoquait pas une fracture de la mâchoire, même Abu Dhabi serait en train de rigoler en ce moment.
Bon, je rigole un peu, c'est pas bien de se moquer du malheur des autres, mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point les blessures ont éloigné Dembélé des terrains depuis qu'il a signé au Barça. C'est drôle parce que je me suis penché un peu sur la question. Figurez-vous que je suis allé lire un article sur RMC Sport il y a quelques temps, et il y a un insider qui a raconté une anecdote assez intéressante concernant Ousmane. Apparemment, quand Dembélé était à Rennes, il avait un schéma d'entraînement assez spécifique qui travaillait sur le foncier. Dembélé est un joueur explosif qui use beaucoup de ses capacités physiques. Donc forcément, lorsqu'il s'entraîne, il faut que ça suive, il faut que l'entraînement soit aussi intensif. Le problème, c'est qu'à Barcelone, les entraînements sont assez légers. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au problème de l'entraînement au Barça. Qu'est-ce que ces joueurs-là font à l'entraînement? Ernesto Valverde ne travaille quasiment rien. Et selon ce même rapport, ce n'est pas un hasard. Si Dembélé se blesse tout le temps en début de match, c'est parce que lorsqu'il n'a pas assez de travail effectué lors des entraînements, à chaque fois qu'il recommence et qu'il part dans une intensité folle en début de match, il se claque. C'est comme ça. Cela prend tout son sens lorsqu'on compare avec les autres joueurs explosifs de l'effectif. En ce début de saison, on a perdu Jordi Alba et Semedo pour des blessures musculaires aussi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Évidemment, ça serait réducteur de dire que c'est uniquement ça la raison des blessures de Ousmane Dembélé, parce que lorsqu'on regarde aussi son hygiène de vie, jusqu'à cette saison, Dembélé n'a pas été exempt de tout reproche. Didier Deschamps l'avait fait remarquer il y a quelques temps en conférence de presse, et lorsqu'on additionne tout cela à l'aspect mental qui fait en sorte qu'à chaque fois il a peur de se reblesser, évidemment, ça fait de lui un joueur fragile. Donc les blessures sont vraiment un gros problème, un vrai frein à l'évolution de Dembélé. J'espère vraiment qu'il réussira à tourner cette page et ainsi reprendre le fil de sa carrière. On passe désormais au deuxième point négatif. L'un des plus grands problèmes de Ousmane Dembélé, c'est qu'il joue aussi au FC Barcelone, parce que dans ce type de club, la concurrence est féroce. Aujourd'hui, Dembélé fait face à la concurrence directe de Antoine Griezmann. Depuis qu'il s'est blessé, Griezmann commence vraiment à tirer son épingle du jeu et marquer des buts importants en participant aussi au jeu. Mais en plus de Griezmann, il y a un autre qui frappe à la porte, le couteau entre les dents et qui a envie de tout casser. Il s'agit tout simplement de Ansoumane Fati, lui qui bat déjà tous les records de précocité et qui n'arrête pas de prouver à chaque fois qu'il entre en jeu. Fati qui est un vrai ailier gauche formé au Barça pour le coup. Donc autant dire que Dembélé a une grosse concurrence au sein même du club. Par ailleurs, le Barça a toujours l'air de s'intéresser à Neymar et projette peut-être de le faire revenir. Si cela arrive, ça risque d'être très néfaste pour Dembélé et l'évolution de son jeu et de sa carrière au FC Barcelone. Faut voir tout ça, comment ça va évoluer, mais ça pousse pas vraiment à l'optimisme. Voilà, moi je vous ai exposé les points positifs, les points négatifs de Dembélé et de sa carrière au Barça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Dembélé a encore un avenir au Barça? Est-ce que vous pensez qu'il va se relever de toutes ses blessures et revenir encore plus fort? Dites-moi quel est votre avis dans la section commentaires. J'aimerais rapidement aussi parler du cas de Carles Alenia qui vient de signer en prêt au Betis Séville. Pour moi, c'est une des pires nouvelles de la journée. Alenia, qui est l'un des seuls milieux à être Barça compatible, qui comprend le jeu de position, qui vient de la Masia, qui a les préceptes de la philosophie de Cruyff. Aujourd'hui, Alenia est poussé vers la sortie pour qui? Pour faire de la place à Ivan Rakitic, Arturo Vidal entre autres. Alenia est passé par toutes les catégories jeunes de la Masia, il a fait toutes ses gammes, il a été un joueur plus qu'exemplaire depuis le début de sa carrière au Barça, il a offert son numéro 21 à Frenkie de Jong, jamais un mot plus haut que l'autre malgré le traitement qu'il reçoit, et c'est quoi sa récompense? C'est d'être envoyé en prêt pour faire de la place à des joueurs vétérans qui sont quasiment en fin de carrière et d'autres qui sont prêts à poursuivre le club pour des bonus. Lorsqu'on se met 2 secondes à la place d'un jeune qui vient du centre de formation et qu'il regarde le traitement infligé aux jeunes comme Riqui Puig, comme Carles Alenia, c'est normal que ces jeunes-là aient des envies de départ aujourd'hui de plus en plus. À aucun moment, Valverde et Bartomeu ont donné leur chance à Alenia. Il s'est débrouillé tout seul, il a été porté disparu pendant très longtemps avant de le revoir ces dernières semaines. J'imagine qu'ils l'ont fait rejouer pour pouvoir mieux le prêter à un club intéressé. Mais bon, de notre côté, j'ai envie de voir ça comme quelque chose de positif. J'essaye de me convaincre en me disant que là, il aura plus de temps de jeu pour lui, pour son développement, et aussi en espérant que ça fasse de la place pour Riqui Puig. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Avant de terminer cette vidéo, je tiens encore à vous rappeler les amis qu'il y a un jeu concours qui sera organisé sur cette chaîne pour le 1er janvier 2020. Ça va être un tirage au sort et une somme de 50 € à gagner. Donc peu importe où vous habitez dans le monde, je vous ferai parvenir la valeur des 50 €. Il vous suffit uniquement d'être abonné à la chaîne pour être éligible au tirage au sort. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vivement de le faire. C'est donc déjà la fin de cette vidéo les amis. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Je suis très heureux de voir la trajectoire que la chaîne est en train
train de prendre ces derniers jours, ces dernières semaines. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Et ça, c'est uniquement grâce à vous. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier chaleureusement. Je vous prépare encore quelques vidéos avant le retour de la Liga. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très bientôt, les amis.